Je m'appelle Céline Régis, née Sophie. Alors, j'ai commencé à faire des cispas avec ma maman. Je devais avoir, 15-16 ans par là. Hein. Bon, monsieur enfant, ma mère faisait des cispas et nous, au bord de la platine, bien sûr, on a commencé à retourner les cispas, à les ramasser, en même temps manger les miettes. Voilà quoi, et puis de fil en aiguille, ça s'est fait, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Donc je dirais que toute seule, je sais faire des cispas depuis, on va dire, l'âge de 22-23 ans à peu près. Ça peut être salé aussi, les cispas. Ça peut être salé aussi. Nos parents le faisaient salé pour boire leur café. Et j'ai des gens qui l'apprécient, les cispas salés. Et puis là, on a la préparation. Donc ici, on retrouve donc la pulpe de coco, l'amidon de manioc et les épices uniques. Alors pour faire les cispas, en fait, effectivement, c'est sur plusieurs phases parce qu'il faut d'abord préparer son amidon de manioc parce que l'amidon de manioc, il faut le récupérer par filtrage. Donc on prend son manioc, on l'épluche, on le passe au broyeur, on rajoute de l'eau dedans pour pouvoir ensuite le filtrer avec un tissu fin. Une fois qu'on a récupéré cet amidon de manioc, il faut maintenant extraire tout l'eau. Et ça se fait par système d'évaporation. Et donc vous savez que c'est à partir de cette même amidon de manioc qu'on fait le tapioca. Donc pour faire sécher l'amidon, il faut une température très faible, il ne faut pas que ça soit trop élevé, pour que votre amidon, que tout l'eau s'en aille et on retrouve une farine. Et cette poudre donc, de farine qu'on a récupérée, avec, on va préparer le cispa. Si c'est pas suffisamment chaud, ma préparation va s'effriter. Si c'est trop chaud, ça va brûler. Donc il faut avoir vraiment la bonne température. Apparemment, on faisait les cispas, c'est une petite gâterie. Donc, on a un petit peu d'amidon là, puisqu'on a fait du couac et qu'à l'intérieur du jus de manioc, il y avait un petit peu d'amidon qu'on a fait sécher. Donc, on a 3-4 cocos, on fait un petit peu de cispas à la fin, quand on a fini de faire notre journée de couac, pour permettre d'avoir un dessert pour la famille. Alors moi, c'est ça. Moi, c'est directement le consommateur qui connaît, donc il passe commande. Et puis, je livre également dans les épiceries d'Irakoubo. Voilà. I love PHP music. 9, 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 9